Dokutonume, Lo, Wenwe, Melahosizitafi, pour le campagne tombe, Midaswa, Hunumitolo, Salame Fibrole, et il nous bat Midea, et si blonde mon oubillon, et Milano Kudoton. Nous bois, Melahor, le député, mais le député, nous bat Midea, Melahor, Mina Dafa, semble si hors aïe, bon, loua, et bat Midea, nous routons, Milo Salame Fier, puis la faute, loua. Les micro-gadjans, toutes les sommes, ça fait déjà 4 mois, et vous m'avez élu. Je suis votre représentant à l'Assemblée nationale. Le pas bon temps. Vous ne voulez pas bien le coup de la somme, il y a tout, mais là, il y a plus de la place au topa. Hein? C'est comblé. Oui, il y a plus de la place. C'est pour cela, vous m'avez élu. Mais il y a déjà l'Assemblée donc. S'il vous plaît, vous avez l'arrivée du président de l'Assemblée nationale. Thank you.
Et honorable, honorable Amboise. D'ailleurs, vous devez avoir une punition. Vous deux là, énorme, vous êtes à la santé à l'heure, mais vous restez à la porte. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous. Même moi, il y en a d'autres pour vous qu'on enlève. Vous allez me demander pourquoi.
c'est parce que tous les députés veulent avoir une voiture, tous autant que vous êtes. Oui, c'est leur droit. Avec cela, vous encombrez le pays. Vous créez les accidents et vous êtes à la base du gros slow. C'est-à-dire, à ce problème, nous avons trouvé la solution suivante. Payer un bus et mettre à la disposition des députés pour leur déplacement. Ça, c'est allons mettre une plaque à Saint-Michel. Tous les matins à 7h, tous les députés se réuniront à la station de départ. Où se trouve la plaque? Chaque député avec son garde. Si un député vient en retard, il ne trouvera plus le bus et il sera obligé de prendre taxi. Chers collègues, quelle est votre appréciation sur l'ordre du jour? Personne n'est d'accord pour l'ordre du jour? Et qui sont ceux qui sont contre l'ordre du jour alors? Dans les groupes du groupe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas des élèves ni écoliers, Monsieur le Président. N'oubliez pas que nous sommes des députés. Et un député est un représentant d'une nation, d'un peuple, d'un État. Génial. Vous nous prenez comme des bandits peut-être. Nous ne sommes pas des bandits. Vous ne pouvez pas prendre ces réactions-là sans nous. Ça sent même très mal dans les tympans. Je vous remercie d'abord. Merci. Oui, honorable de Caïman, vous avez la parole. Voilà. Vous venez de parler. Ce n'est pas de votre faute. Non, non, ce n'est pas de votre faute. Si vous avez bien réfléchi, vous avez pensé, vous et votre bureau, autant que vous êtes, vous n'allez jamais proposer aux députés, aux élus du peuple, un cas. Merci. Nous ne sommes pas des étudiants quand même. Nous sommes des élus du peuple. Une question, Monsieur le Président. Et vous, vous allez monter à bord de ce cas? Merci beaucoup. Belle question. Si votre réponse serait non, pourquoi vous proposez à nous autres? Nous avons besoin des véhicules de haute gamme. Voilà. Voilà. Des Mercedes. Des voitures 4x4. C'est bien ici. Voilà. Désormais, ne revenez plus ici avec ces gens de suite. On ne veut plus entendre ça. Oui. C'est fini comme ça. Mais dire que nous allons monter au bord d'un cas, c'est votre histoire, ça. Honorable, après ces propos, nous allons demander de passer au vote. Qui sont ceux qui sont pour ce que Madame Dibou et M. Caïman dit? Et il se permet le luxe de dire que c'est ça, c'est ça.
où il y a un emploi réservé aux élèves paresseux, voilà. On doit aller se faire foutre ailleurs. Voilà. Je n'ai pas l'intention de retirer mon mot. Merci. Que ce soit clair dans la tête des uns des autres. Merci à vous. Le député, ça se respecte. Et mieux, nous aurons les véhicules au cas où nous ou non. Merci. Vous n'avez pas le droit de m'insulter. Pourquoi? Ça, c'est vrai. Donc,